Salut à tous, je suis Spire le Dragon. Soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on va tester une caméra IP de la marque Instar, donc une marque allemande. Alors, n'y voyez là aucune malice, hein, c'est totalement le hasard qui a voulu que je teste d'abord un stick arcade allemand et puis maintenant, aujourd'hui, une caméra IP de la même nationalité. C'est une caméra IP très haut de gamme qu'on teste aujourd'hui puisqu'elle coûte dans les 200 euros et il y a à peu près tout le raffinement technologique qu'une caméra IP peut avoir. Est-ce que ça va faire de cette caméra un produit très nettement supérieur à ceux qu'on a testés jusqu'à présent ou pas? C'est parti pour le test. Donc vous l'avez compris, au prix auquel cette caméra est annoncée, on n'est pas dans la même catégorie de produits que les caméras qu'on avait testées jusqu'à présent. Ici, on est sur une vraie caméra IP, c'est-à-dire qu'elle a une application mobile pour Android et iOS, comme on avait vu les caméras jusqu'à présent, mais elle a aussi une interface web intégrée dans le produit, ce qui permet de prendre le contrôle de la caméra depuis n'importe quelle plateforme disposant d'un navigateur web. On voit ici Windows, macOS, Linux, mais en fait, on pourrait même mettre Chrome OS hein, dans la liste. Hein. Dès l'instant que vous avez un navigateur web, le tour est joué. Autre particularité intéressante de ce produit, il est en 1080p, ce qui n'était pas forcément le cas des caméras qu'on a testées jusqu'à présent. Là, on est sur du Full HD, donc on aura une très bonne qualité d'image. Et enfin, vous pouvez remarquer en regardant la photo du produit qu'il y a un petit bitonio ici qui est un capteur de mouvement. Les autres caméras détectaient les mouvements via un algorithme, c'est-à-dire que c'était la caméra qui voyait passer quelque chose devant l'objectif et qui considérait qu'il y avait eu un mouvement. Que là, en plus de l'objectif, on a un vrai détecteur de mouvement, comme ceux qu'on a sur les alarmes professionnelles. D'ailleurs, vous allez voir que le produit a été vraiment conçu avec les systèmes professionnels à l'esprit. Hein. Donc on voit beaucoup de choses qui sont marquées ici, mais c'est tout en allemand. On peut deviner qu'il y a un micro, un haut-parleur, que ça peut marcher en Wi-Fi, qu'il y a une carte micro SD fournie. Voilà, donc ça c'est plutôt sympathique. La fameuse détection de mouvement dont je viens de parler, on peut push, on peut envoyer un email hein, quand il y a une détection, c'est-à-dire que c'est pas seulement des notifications via une appli, on peut carrément faire en sorte que la caméra envoie des mails. La vidéo est encodée en H264 et le navigateur web, enfin l'interface web à l'intérieur est cryptée en HTTPS, sécurisée en HTTPS. Voilà, donc un produit qui quand même arbore pas mal de fonctionnalités semi-pro, voire même pro, d'où son prix. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage. A priori, c'est pas compliqué, on soulève le dessus comme ça, c'est très classique et traditionnel. On tombe d'abord sur la doc. Doc qui est en anglais et en allemand, mais le français est disponible sur le site du constructeur dont l'URL se trouve ici. Premier bloc de mousse, deuxième bloc de mousse qui a été creusé pour pouvoir mettre les différents accessoires. On a ici une antenne Wi-Fi. On a ici un petit clip qui permet de fixer l'ensemble au plafond et de l'orienter sans avoir besoin de forcer sur la rotule de la caméra. Ici, on a l'adaptateur secteur au format européen. C'est normal puisque c'est un produit allemand. Avec à l'autre bout un embourron relativement classique. Je ne sais pas combien il balance celui-ci, du 5 volts. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué comme adaptateur. On a un câble Ethernet, puisqu'il y a une interface Ethernet sur ce produit, et c'est un câble plat. Alors c'est intéressant les câbles plats sur ces produits-là, parce que ces caméras peuvent par exemple être de l'autre côté d'une porte. Donc un câble plat, on peut plus facilement le pincer dans une porte qu'un câble rond, évidemment. On a divers petits accessoires. Alors ici, ce sont les autocollants pour les trous de perçage dans les plafonds ou les murs. Ici, c'est une molette pour régler l'objectif, puisqu'on peut faire un focus manuellement hein, du produit. Ça, c'est le capuchon qui permet de boucher la prise de l'antenne Wi-Fi quand on s'en sert pas. C'est pour éviter qu'il y ait de l'humidité ou des choses comme ça qui rentrent à l'intérieur. Des vis, encore une fois, pour fixer l'ensemble au mur ou au plafond. Et la caméra en elle-même, qu'on va regarder dans le détail tout de suite. Bien alors, quand on regarde le design et la conception de la caméra, on voit tout de suite hein, que c'est un produit de qualité. Hein. Par exemple, les mouvements n'offrent aucune résistance, là, quand je les bouge avec la main, ce qui me laisse à penser que les moteurs doivent être très silencieux sur cette caméra-là. En face avant, on peut voir les rangées de LED classiques, l'objectif classique, mais en plus de ça, on peut voir un capteur de luminosité ambiante qui permettra donc à l'objectif de s'adapter, je pense, en ouverture, bah, pour pas être ébloui, entre guillemets, pour pas qu'il y ait de surexposition. Et puis ici, on peut voir le fameux capteur de mouvement, donc indépendant de l'objectif. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur le dessous, ici, on peut voir qu'il y a des patins en caoutchouc
un système de pas de vis, donc pour monter la caméra sur un trépied éventuellement, et deux encoches pour mettre le système de visserie. Ici, sur le côté, on peut voir la fente pour les micro SD, et comme on est sur quand même un produit haut de gamme, ils ont eu la courtoisie de nous mettre une petite carte de 16 Go, logotée à la marque InStar. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que toutes les caméras que j'ai testées jusqu'à présent, la carte SD était pas fournie. Bon, elles étaient beaucoup moins chères, certes, mais quand même. Ici, on peut voir les haut-parleurs, donc pour le système audio. Ici à l'arrière il y a beaucoup de choses, hein. On a une prise casque, ça c'est assez original sur un produit comme ça, mais j'imagine que ça peut permettre surtout de mettre des enceintes plus puissantes que celles qui sont intégrées, c'est surtout ça l'intérêt. La prise Ethernet, la prise pour le Wi-Fi, le voyant j'imagine de statut bah, pour savoir si on est bien connecté au réseau ou pas. Ici on peut voir la connexion à un système d'alarme, alors ça c'est intéressant, je vais y revenir dans un instant. Le WPS pour faire la synchro avec votre box et donc l'adaptateur secteur ici. Alors, ce connecteur, à quoi il sert? Eh bien, il sert à relier la caméra à un système d'alarme, notamment pour le capteur de mouvement ici. C'est-à-dire que si le capteur de mouvement détecte quelque chose, il envoie un signal ici. Et si vous avez une centrale d'alarme avec une énorme alarme qui gueule très fort, elle se mettra à gueuler aussi. Donc, c'est pas mal de pouvoir relier une caméra comme ça à un système d'alarme plus puissant que ceux qu'on peut avoir avec les systèmes connectés classiques. Voilà, là, c'est une vraie alarme, un vrai connecteur pour une vraie alarme. Évidemment, après, il faut avoir, je pense, quelques notions d'électricien pour savoir comment câbler tout ça. Mais au moins, c'est possible. Alors, un petit mot rapide sur l'application mobile. Mais il faut comprendre que cette application mobile n'est en fait qu'une web app qui fait appel aux fonctions qui sont préinstallées dans la caméra. C'est ça qu'il faut avoir bien compris, hein. On est sur une caméra IP, donc à l'intérieur même de la caméra, il y a entre guillemets une sorte de petit site internet, hein, une interface web qui permet de contrôler la caméra. Et cette application mobile ne fait que faire appel aux fonctions qui sont préinstallées dans la caméra pour les afficher dans un format adapté à votre smartphone. Voilà, mais c'est une pure et vraie caméra IP cette fois-ci. On n'est pas sur quelque chose qui est lié à une appli. Là, j'utilise l'appli mobile, mais je pourrais aussi lancer mon petit navigateur Firefox ou Opera et faire la même chose. Simplement, ce serait moins bien adapté à l'écran du smartphone. Voilà. Donc, on peut prendre le contrôle de plusieurs caméras en même temps, mais comme je n'en ai qu'une, je ne vais pas pouvoir vous montrer cette fonction-là. Normalement, il faudra appuyer sur le petit bouton ici en haut à droite. Quand j'appuie sur l'image de la caméra, je prends le contrôle d'une seule et unique caméra, en l'occurrence celle-ci. Donc là, on voit un aperçu de la vidéo. Pour le moment, il n'y a rien dans le bas de l'écran, mais il suffit d'appuyer ici pour avoir les contrôles tactiles. Donc ici, vous voyez comment on dirige la caméra, au bas gauche-droite, épée, parking, qui la remet en position de base. Ici, on a une icône pour prendre des photos. Ici, on a une icône donc pour les réglages de la caméra, le framerate, la qualité de l'image, la luminosité, le contraste, les choses comme ça. Ici, donc le fameux mode détection de mouvement. Ici, le fameux système de circuit pour relier une alarme. Ici, allumer ou éteindre l'infrarouge, le micro, le haut-parleur, allumer ou éteindre la caméra, carrément, tout simplement, hein. Le push pour recevoir des mails quand il y a un problème, le son pour couper le son, pour plus rien entendre, l'œil bah, pour plus rien voir, le rond c'est pour enregistrer de la vidéo bien sûr, et PS ça remet en fait la caméra en pan and scan, c'est-à-dire qu'elle fera des pan et scan à intervalles réguliers pour un petit peu balayer plus largement, ce qui est je trouve une bonne idée. Si j'appuie encore une fois là-haut, hop, le pavé directionnel disparaît parce qu'en fait je suis en swipe control, et je peux contrôler la caméra en glissant mon doigt. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer un petit peu d'enregistrer une vidéo tout en faisant un balayage. Bien, donc je vais d'abord vous faire la démonstration avec le pavé directionnel. Bah c'est pas bien compliqué, hein. Haut, ça monte la caméra. Bas, ça la descend. Voilà. Gauche. Et droite. Alors comme je le pensais, hein, le moteur est très silencieux sur cette caméra, c'est franchement une réussite à ce niveau-là. C'est clairement celle qui s'en sort le mieux de toutes celles que j'avais testées jusqu'à présent. Le temps de réponse aussi est assez court, même si évidemment on est sur du réseau Wi-Fi, donc il peut y avoir des commandes qui se perdent en cours de route. Ça peut être perturbant parfois, mais c'est relativement rare quand même sur cette caméra. Bien maintenant, on va faire exactement la même chose en utilisant le mode swipe pour voir comment se déplace la caméra en glissant son doigt sur l'écran. Et puis ensuite, je vais enregistrer une petite séquence vidéo. D'abord en local, c'est-à-dire sur la carte SD de la caméra. Et puis ensuite en Wi-Fi pour voir si ça crée une différence. A priori, ça devrait en créer une sur la fluidité parce que je pense pas que le débit soit aussi fort, évidemment, en Wi-Fi qu'en local directement sur la carte SD. Mais on verra bien. D'abord, le swipe.
vers la gauche. C'est moins évident hein, qu'avec le pavé directionnel, évidemment. Mais certains diront que c'est plus intuitif. Vers le haut. Et vers le bas. Disons que ça a l'avantage de ne pas vous limiter à des contrôles rikiki dans un coin de l'écran. Là, vous avez vraiment tout l'écran de votre smartphone pour envoyer des commandes, quoi. C'est plutôt agréable. Alors un rapide coup d'œil à l'interface web hein, dont je vous parle depuis tout à l'heure hein, et qui est, je vous le rappelle, directement intégrée dans la caméra. Donc il suffit de taper l'adresse IP de la caméra ici en haut dans n'importe quel navigateur web pour voir ceci apparaître. Tout ceci est directement dans la caméra et c'est ça qui fait la grande force évidemment de cette caméra. Donc ici on voit bien l'aperçu de la caméra, on peut contrôler hein, le curseur au bas gauche droite, faire des enregistrements, etc. Tout se trouve ici, immédiatement accessible. C'est également ici qu'on peut faire un accès au cloud payant de chez Instar, aller directement sur le site web du fabricant, etc. etc. Donc, c'est propre, c'est bien fait, c'est même une des plus jolies interfaces web que j'ai jamais vues, à vrai dire. L'échelle est très moderne, hein. Souvent ça fait un peu vieillot les interfaces web de ces produits-là. Là, il y a eu un effort de fait. Bon, voilà, c'est ça la grande force de ce produit-là, et c'est quelque chose que tous les autres produits qu'on avait testés jusqu'à présent ne pouvaient pas faire. Là, un PC, un navigateur web, c'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir prendre le contrôle de votre caméra à distance. Et ça, c'est vraiment une grande force du produit. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Pour noter ce produit, il faut évidemment le comparer à ceux qu'on avait déjà testés jusqu'à présent et qui coûtaient moins cher. Est-ce que cette caméra justifie son écart de prix ou pas? Ça va être ça la question. Déjà, sur le plan purement technique, il y a beaucoup de choses que cette caméra fait et que les précédentes ne faisaient pas. Bon, le Wi-Fi et l'Ethernet, on le trouvait déjà sur certains modèles. Ça, passons là-dessus. On a un système de haut-parleur stéréo, ce qui permet d'avoir plus de puissance. Ça, c'est déjà pas mal. Mais bon, certains diront que c'est plutôt de l'ordre du gadget et ils n'auront pas tout à fait tort. Ensuite, il y a le système de détection de la luminosité ambiante qui permet à la caméra, en fait, de s'ajuster au mieux à la luminosité ambiante, pas juste en se basant sur un algorithme via ce qu'elle filme, mais vraiment avec un capteur qui est là pour ça. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Même chose pour la détection de mouvement, hein, qui est entièrement vouée à ce capteur-là, hein, et qui ne passe pas non plus par la caméra, et qui permet en plus de brancher directement une alarme professionnelle au détecteur de mouvement pour qu'on puisse déclencher une alarme quand quelqu'un passe devant la caméra, tout simplement. Hein. Donc, pas mal de raffinement, le moteur électrique est bien silencieux et tout. Donc, déjà, elle aurait pu être plus chère que la plus chère des caméras qu'on avait testées jusqu'à présent. On n'aurait pas crié au scandale. Mais ce qui fait vraiment la différence sur cette caméra, ce qui lui permet vraiment de justifier son prix, c'est qu'elle intègre en hard une interface web qui permet de la contrôler depuis n'importe quel PC dans le monde, pour peu que sur ce PC il y ait Internet. Et ça, ça fait de cette caméra une vraie caméra IP. Pas juste une caméra en ligne qui se connecte à un service préconfiguré par un fabricant, mais une caméra qui se connecte à Internet, vraiment directement au web, et qui ensuite peut être contrôlée simplement en connaissant son adresse IP. Ce qui en fait donc une vraie caméra IP. Après, est-ce que ça mérite ou pas l'écart de prix?
Moi, je trouve que oui, parce que franchement, évidemment, il faut avoir le besoin hein, de ça. Si vous êtes un particulier et que vous avez des besoins basiques de caméra, non, ça vaut pas le coup. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment une vraie caméra IP et pas juste un truc qui se connecte en ligne, une vraie avec une adresse IP et tout, franchement, pour le prix, elle est vraiment pas mal celle-ci. Donc je vais lui mettre la note de 4,5. Pourquoi je lui mets pas la note de 5? Parce qu'elle est tout plastique et que certaines petites finitions, certains petits ajustements, vous voyez la façon dont les plastiques sont emboîtés et tout, auraient peut-être pu être un tout petit chouïa plus soigné. L'interface de l'application mobile, elle est un peu tristoune aussi. Et puis, ça manque de fluidité quand on passe par le réseau. Mais bon, ça après, ça dépend peut-être aussi du réseau, malheureusement. Prochainement, je devrais avoir la fibre si Orange arrive à la mettre, ce qui n'est pas gagné, hein, ils ont l'air de pas mal galérer. Ça me permettra de tester ce genre de produit dans de meilleures conditions. Mais en tout cas, c'est un excellentissime produit qui mérite sa note de 4,5. De toutes les caméras qu'on a testées jusqu'à présent, c'est clairement elle la meilleure haut la main. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra IP de chez Instar. C'est clairement une caméra qui est au-dessus des autres hein, en termes de fonctionnalité. Après, est-ce que c'est suffisant pour justifier l'écart de prix? Pour ça, je vous laisserai seul juge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!